Le métier de concepteur de prothèses, c'est un métier exigeant qui nécessite d'être multidisciplinaire pour pouvoir être en contact aussi bien avec des mécaniciens que des qualiticiens, des responsables des affaires réglementaires ou des chirurgiens. Mon métier consiste aussi à garder un œil sur toute la suite de la chaîne de la production afin de s'assurer que le produit final correspond bien à ce qui nous a été demandé. Chez certaines personnes, la douleur vient rendre difficile, voire impossible, certaines actions du quotidien. La pose d'une prothèse, dans ces cas-là, vient redonner toute l'amplitude à une articulation, tout en supprimant la douleur. Cette notion de regain d'autonomie pour une personne âgée, c'est une notion qui me tient vraiment à cœur. De pouvoir me dire chaque matin que ce que je fais aujourd'hui, ça peut aider demain une personne à marcher seule, conduire seule, se coiffer seule. Sur la partie conception mécanique sur ordinateur, je modélise en 3D des implants, des outils pour lesquels ensuite je réalise une mise en plan qui servira à la fabrication. Au bureau d'études, on a la chance d'être aux premières loges pour tout ce qui est innovation. Toutes ces solutions nous permettent d'imaginer des solutions toujours plus innovantes pour répondre aux besoins qu'on nous soumet. Pendant les phases de conception, l'impression 3D nous permet en quelques heures d'avoir un prototype en plastique fonctionnel, là où auparavant il fallait quelques jours, voire quelques semaines. Et du coup, rapidement, on peut réaliser des essais et peaufiner notre conception. On est souvent en contact avec les différents services de l'entreprise, soit pour leur apporter des précisions sur ce qu'on a voulu concevoir, soit pour recueillir également des informations pour nous améliorer notre conception et le produit final. En production, aujourd'hui, la fabrication additive métal nous permet d'imaginer des pièces encore plus complexes, même des pièces creuses qui ne seraient pas fabriquables d'une autre manière, et donc d'élargir notre champ des solutions possibles face à un problème. On a la chance à Evolutis d'avoir sur le même site tout le cycle de vie d'un produit. Donc quand le virtuel de notre conception sur ordinateur peut prendre trop de place, en quelque part, on peut aller dans les ateliers ou contrôle, au conditionnement et retrouver des pièces physiques et le concret de notre métier. C'est aussi un métier qui pense l'avenir et qui a une vision globale du produit et qui ne doit pas oublier que l'objectif final, c'est le bien-être d'une personne. Et pour cela, acquérir une grande rigueur, aussi bien dans sa conception que du point de vue réglementaire, pour pouvoir proposer le meilleur produit possible.